La plasturgie marocaine, levier incontournable pour le lancement des synergies de croissance intersectorielle et de la 5e révolution industrielle. Tel est le thème de cette 10e édition du Forum Exposition Internationale de la Fédération Marocaine de Plasturgie. Organisé à Casablanca, l'événement a connu la signature de la convention cadre pour le sourcing local en emballage du secteur agroalimentaire. Une autre convention spécifique sourcing local en produits de la plasturgie a aussi été signée à l'occasion pour substituer l'importation des emballages plastiques dans l'objectif de renforcer la souveraineté et l'autonomie de l'industrie marocaine. Le secteur du plastique est un secteur extrêmement important dans notre pays du fait qu'il constitue non seulement, il sert tous les autres secteurs industriels. Aujourd'hui, le secteur du plastique au Maroc emploie plus de 70 000 personnes, plus de 70 000 marocaines et marocains et 300 000 en emploi indirect. Ce secteur a un avenir extrêmement prometteur. Il est aujourd'hui appelé à servir et à s'intégrer dans toutes les filières et à créer et offre de multiples opportunités d'emploi dans toutes les régions du Maroc. Le secteur de la plasturgie au Maroc est aujourd'hui l'un des fleurons de l'industrie nationale. Transversale, il a toujours soutenu les autres secteurs industriels en leur proposant des solutions qui leur permettent d'alléger significativement leur dépendance aux importations. Nous organisons aujourd'hui la 10e édition du Forum de la plasturgie qui est axée sur trois sujets principaux. Alors la commande publique avec la préférence nationale, le problème de la décarbonation et les synergies intersectorielles parce que, comme vous le savez, le plastique est un métier qui est transversal et qui touche tous les domaines allant de l'aéronautique au bâtiment, passant par l'automobile, le médical et le textile et autres. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'organiser cet événement. Suite à la crise du Covid sans précédent et on estime que c'est une opportunité aujourd'hui pour le secteur et pour l'industrie marocaine pour relancer tous les vecteurs de croissance et socio-économique pour notre pays. À noter que ce forum s'articulera autour de trois temps forts, à savoir la session plénière qui traitera des thématiques de la 10e édition du forum Exposition Internationale de la Plasturgie, l'exposition vitrine de l'innovation qui permettra de montrer le dynamisme et le savoir-faire nationaux made in Morocco et internationaux du secteur. Et puis l'espace B2B dont l'objectif est de favoriser les rencontres entre investisseurs et la mise en place de partenariats stratégiques entre différents représentants des filières industrielles.